connu de tous, qui a partout, tout le monde entier été prononcé par les hommes les plus intelligents de cette terre, qui dit ceci: si tu as faim, alors mange. Une autre sagesse encore plus forte, toujours dite par des personnes toujours très illustres, disait aussi en ces termes: si tu as soif vraiment, mon frère, bois. Oui, il faut croire. Hein? Ces paroles semblent très amusantes, mais en fait, on a déjà apposé une solution à un problème crucial de l'humanité, le problème de la nutrition. Hein? Vous savez que boire et manger sont des éléments les plus essentiels de cette vie humaine. Vous le savez. D'ailleurs, qui n'a pas de corps, qui ne se souvient pas comment c'est agréable tout le matin en allant au champ, tu bois cette eau fraîche des maillots. Et que le soir, quand tu rentres au champ, tu bois le vin, bon vin de palme. Je suis sûr que vous vous souvenez que de ce coup unique, quand tu manges le verdure, ou alors un peu du bon poisson, et encore plus, quand tu sors à pleine dame un morceau de gibier. Les hommes et les femmes ne se posaient plus de questions. Les vieux sages avaient dit: si tu as faim, mange. Si tu as soif, bois. Oui, tout le monde peut boire. Hein? Tout le monde peut boire. Mais manger, il y avait là un petit souci. Dis-moi, comment peut-on manger quand on n'a pas les dents? Ça, c'est la question à laquelle les hommes et les femmes ne s'étaient pas vraiment interrogés. Hein? Innovation.
Une grande innovation. À la fois douce et complexe, avec des capacités extraordinaires. Une innovation source de bonheur. Où coulait une boisson lactée. Une innovation qui donna un avenir radieux aux poissons pour enfants. Et donc, tous les enfants qui avaient eu à cette source et qui souffraient de diarrhée, des infections, pouvaient vivre de bonheur. Et le rêve était réalisé. Par-delà les continents, l'innovation avait rayonné. Et on se posait la question de savoir c'est quoi cette formule. Pourquoi cette formule formidable qui n'a cessé de s'améliorer? Cette formule magique. Oui, cette formule magique. Et bien plus qu'une histoire de l'innovation scientifique constante. Et bien plus qu'une histoire de probiotiques uniques. Non, elle est bien plus que ça. Il s'agit d'une véritable prise en compte de tout ce que la nature peut offrir de beau pour le bonheur des petits nourrissons. Il s'agit de la synergie d'action de deux probiotiques. Il faut aller puiser dans la nature. Et la nature sait bien faire ces choses. L'innovation est née. Elle est là. Veillez à accueillir. Toujours plus rafraîchi. Non. OptiPro. Inspiré de la nature. À sa lumière.